Hello children, hope that you're safe and fine. Today also, we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part two of the books. The books can be found on the website of MIE. Alors, on va commencer avec les mathématiques. Donc, on travaille toujours dans le livre de part 2. Alors, aujourd'hui, on va faire 2D shapes. Two dimensional shapes. Now, look at the picture on your screen. Observe the different shapes in the picture below. So, can you write the names of the four shapes that you can see in the picture? J'espère que c'est bon. Donc, now what are the four shapes that you can see in the picture? We can see there's a triangle, and we have a circle. We have another triangle and a circle. So what are the shapes that we can see in the picture? Triangles and circles. Now, triangles and circles are examples of two-dimensional shapes. Let us now do the activity on page 22. Now, match each shape to its name. Ici, il faut faire matching avec le mot qui correspond à l'image. Alors, vous allez d'abord dessiner les shapes dans vos cahiers, ensuite vous allez faire les matchings. C'est bon? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. So, triangle. Which one of these shapes is a triangle? Now, circle. The second one is a square. The third one is a triangle. And the fourth one is the rectangle. Now, circle. Triangle, square, and rectangle are examples of two-dimensional shapes. Now, what are two-dimensional shapes? Two-dimensional shapes can be defined as a flat plane figure or a shape that has two dimensions, veut dire length and width.
Alors, two-dimensional shape peut être défini comme une forme qui a deux dimensions. Length and width, ok? Maintenant, les two-dimensional shapes ou 2D shapes n'ont pas d'épaisseur. Ok? Ils peuvent être mesurés sur deux faces, veut dire length and width. Length veut dire longueur et width, largeur. Allons maintenant voir the length and width in some of the shapes. Comme vous pouvez le voir sur l'image, sur votre écran, alors, here we have a triangle. So, this is the width and this is the length. Comme on avait dit, length c'est longueur et width c'est largeur. Ok? We will discuss about length and width later. Ok? Now, le plus important ici, c'est de savoir que 2D shapes sont plats, n'ont pas d'épaisseur et peut-être mesurés sur deux faces. Je veux dire length et width. Length, c'est longueur et width, c'est largeur. Alors, let us now see the properties of a triangle. Les propriétés d'un triangle. As you can see in the picture, we have a triangle. Now, what are the properties of a triangle? Now, I will ask you to draw a triangle on a piece of paper and then to cut the triangle out. Alors, ce que vous allez faire, vous allez dessiner un triangle sur un bout de papier. Ensuite, vous allez découper le triangle. Alors, j'espère que c'est bon. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez toucher les côtés du triangle. Les deux côtés. Now, are the sides straight? Est-ce que les côtés sont droits? Non. Ils ne sont pas droits. Alors, how many sides does it have? Combien de côtés est-ce qu'un triangle a? A triangle has three sides. Now, touch a corner where any two sides meet. Vous allez toucher un coin où deux côtés se rencontrent, veut dire deux lignes se rencontrent. Comment est-ce qu'on appelle ce coin-là? We had done it with lines. When two lines meet, the place where two lines meet is called a vertex. Okay, now the plural of a vertex is vertices. Okay?
Le pluriel du mot vertex, c'est vertices. OK? Alors, the place where any two sides meet is called the vertex. Now, what have we learned? What can you conclude? That a triangle has three sides. A triangle has three angles. And a triangle has three vertices. Repeat after me. A triangle has three sides. Three angles and three vertices. Alors, ce que vous allez faire, vous allez copier activité 1 dans vos cahiers au moins 3 fois. Ça va vous aider à vous rappeler qu'un triangle a 3 côtés, 3 angles et 3 vertices. C'est bon? Allons maintenant faire page 23, exercice 1. Take the triangles in the following. Alors, ici, you have many shapes. Here, you have to take the shapes which are triangles. Now, remember, a triangle has three sides, three vertices, and three angles. OK? Allez-y. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, which are the shapes which are triangles? The second one, third one, and the seventh one. OK? The first one is not a triangle. Why? Because all the sides are not, it doesn't have three vertices. OK? Second one is a triangle because it has three sides. Three angles and three vertices. Same for third one and the fourth one. Now, the lines of a triangle are always straight, okay? Not curved. Good? Now, vous allez faire page 23, exercice 2. Use your ruler to draw three triangles in the space below. Alors, vous allez dessiner trois triangles de votre règle. Alors, j'espère que c'est bon. Now, three triangles can be like this, okay? Ce sont tous des triangles, mais dessinés différemment. Like we can see, we have three sides, three vertices and three angles in each of the triangle drawn. Alors, to conclude, a triangle has three straight sides. A triangle has three angles and a triangle has three vertices and it is a closed figure. Closed figure veut dire que tous les lignes se rencontrent. Là où les lignes se rencontrent, on appelle ça a vertex. OK? Ici, on a trois endroits où les lignes se rencontrent. Les lignes droites se rencontrent. Donc, on va dire que le triangle a three vertices because we have more than one vertex and the plural of the word vertex is vertices. So, what you need to learn by heart is that a triangle has three straight sides, three angles and three vertices. Et tous les lignes se rencontrent. Good everyone? Now, what you will do is that you will
draw and write the notes that you can see on the image on your screen in your copybook. Vous allez copier les notes et dessiner le triangle comme c'est sur l'image dans vos cahiers. Et il faut apprendre les propriétés d'un triangle par cœur. Good? Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. Alors, rappel, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? That a triangle has three straight lines, three angles, and three vertices, and it is a closed figure. Veut dire que toutes les lignes se rencontrent. C'est fermé de tous les côtés. English now. So today, in English, we are going to do the sound air, like in the word chair. Other examples of word where we can find the sound air is hair, chair, bear, stare. Repeat after me. Hair, chair, bear, stare. The sound oo, like we have in paw, tourist, tour, pew, and shoe. Okay? Repeat after me. Paw, tourist, tour, pew, and shoe. Okay? Now, Dixie and I love singing in English. We want to say all the song lyrics properly, so we are practicing our English. Let's practice together. When you hear the sound air in a word, color the box purple. When you hear the sound oo in a word, color the box green. Alors, là où il y a le son air, comme dans chair, hair, bear, vous allez colorer en mauve, ok? Là où vous entendez le son ou, comme dans tourist, tour, pour, queue, show, vous allez colorer le casier en vert, ok? Ça va être votre homework. Alors, allons maintenant faire quelques exercices de révision par rapport au topic qu'on avait fait la semaine dernière. Allons faire activité 1 à la page 49. Write the correct question tags. Tara is singing a song. The children are attending a concert. It's raining now. We are enjoying ourselves. The boys aren't naughty. The dancer isn't performing well. He's too weak to carry the bag. Alors, vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y faire.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Now, the first one. Tara is singing a song. Here, the sentence is in affirmative form. So, the question tag will be in negative form. Now, we can replace Tara by she. Okay? Tara is singing a song, isn't she? The children are attending a concert. Here also, the sentence is in affirmative form, so the question tag will be in negative form. We can replace the children by they. So, aren't they? It's raining now. Here also, the sentence is in affirmative form. The question tag will be in negative form. So, isn't it? We are enjoying ourselves. Here also, the sentence is in affirmative form. So, the question tag will be in negative form. Aren't we? The boys aren't naughty. Here, the sentence is in negative form. So, the question tag will be in affirmative form. We can replace the boys by they. So, are they? The dancer isn't performing well. Here also, the sentence is in negative form. So, the question tag will be in affirmative form. Is he? He's too weak to carry the bag. Here, the sentence is in affirmative form. So, the question tag will be in negative form. Isn't he? Now, as homework, you will do activity 2 on page 49. Write the correct punctuation mark. So, here you need to use the correct punctuation marks. And what are the punctuation marks that we have learned about? Exclamation mark, full stop, question mark. Okay? So, look, he's dancing in the rain. 2. We are playing in the schoolyard. 3. When did you go to the seaside? 4. The children are reading aloud. 5. Wow, your dress is beautiful. 6. How much does the book cost? 7. Hooray, we won the game. 8. The fisherman went fishing before sunrise. 9. I can't find my bag. Where did you put it? Now, if you think that the sentence is a question, you need to put a question mark at the end. Now, if you think that in the sentence you are expressing strong feelings, you need to put exclamation mark. And if you think it's a normal sentence, you need to put a full stop. Alors, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va parler des articles définis. D'abord, on va lire le texte qu'il y a sur votre écran. Le concert commence. L'ours joue du tambour tandis que le lion rougit du tuba. La girafe souffle dans la flûte et la pieuvre touche du piano. Le rat fait sonner des cymbales. Que c'est beau! Jouer de l'orchestre, c'est céleste. Alors, vous allez maintenant lire le texte avec moi. Le concert commence. L'ours joue du tambour. Tandis que le lion rougit du tuba, la girafe souffle dans la flûte et la pieuvre touche du piano. Le rat fait sonner les cymbales. Que c'est beau!
Jouer de l'orchestre, c'est céleste. Céleste veut dire quelque chose de merveilleux. Alors, les déterminants, le, la et elle apostrophe ou les sont appelés des articles définis. Donc, le, la, elle apostrophe, les sont des articles définis. Alors, c'est quoi les articles définis? Les articles définis donnent plus de précision au nom qu'ils accompagnent. Donc, il nous donne plus d'informations sur le nom qui l'accompagne. Alors, on utilise la, L-A, pour les noms qui sont au féminin singulier. Par exemple, la grammaire. Grammaire est un nom féminin singulier. Donc, on va utiliser l'article défini la. La lumière. Lumière, c'est un nom féminin singulier. Donc, on va utiliser l'article défini là. Alors, les articles définis se placent toujours devant un nom. On utilise le, le pour les noms qui sont au masculin singulier. Par exemple, le cahier. Cahier est un nom masculin singulier. Donc, on va utiliser l'article défini le, le. Le manuel. Manuel, c'est un mot masculin singulier. Donc, on va utiliser l'article défini le. Le papier. Papier est un nom masculin singulier. Donc, on va utiliser le, le. L'apostrophe maintenant. On utilise l'apostrophe pour les noms qui commencent par une voyelle, soit au féminin ou masculin, au singulier. Alors, on va utiliser l'apostrophe pour un nom qui commence par un voyelle. Non, le nom peut être masculin singulier ou féminin singulier. Mais si le nom commence par une voyelle, quelles sont les voyelles qu'on a? A, E, I, O, U, on va utiliser L apostrophe. Ok? Comme l'élève, l'effaceur, l'enseignante. Alors, l'élève commence par une voyelle, l'effaceur commence par une voyelle et l'enseignante commence par une voyelle. On va utiliser L apostrophe. Alors, au masculin, on va utiliser l'article défini le et l'apostrophe. Le chat. Chat est un nom masculin singulier. Donc, on va utiliser le. Agneau est un nom masculin singulier, mais qui commence par une voyelle. Alors, on va utiliser l'apostrophe. Pareil, pour le féminin maintenant. On va utiliser l'article défini la. La pomme. Pomme est un nom féminin singulier, donc on va utiliser l'article défini la, L-A, l'abeille. Abeille est un nom féminin singulier, mais qui commence par une voyelle, donc on va utiliser l'apostrophe. Maintenant, les, L-E-S. On utilise les, L-E-S, pour les noms qui sont au pluriel. Maintenant, les noms peuvent être masculins ou féminins. Si les noms sont au pluriel, on va utiliser les. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple, les avions. Le nom avion est au pluriel, donc on va utiliser les. Les flûtes. Le nom flûte est au pluriel, donc on va utiliser les. Donc, on utilise le, le pour un nom masculin singulier, on utilise la, la. Devant un nom féminin singulier, on utilise l'apostrophe. Devant un nom qui peut être féminin ou masculin singulier, mais qui doit commencer par un, une voyelle. Alors, on utilise les devant un nom au pluriel. C'est bon? Alors,
On va maintenant faire exercice 2 à la page 44. Djembé vient de l'Afrique. Enfants joueront de la sitar. Cora chante bien. Amie de ma sœur a un accordéon. Guitare est cassée. Selena écrit une de la chanson dans son cahier. Alors ici, il faut compléter par le, la, les ou l'apostrophe. Alors, ce que vous devez faire ici, il faut savoir si les noms sont masculins singuliers, féminins singuliers, ou si les noms commencent par une voyelle, ou si les noms sont au pluriel. Ensuite, vous allez compléter avec la bonne article définie. Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez travailler les questions. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Djembé vient de l'Afrique. Le djembé. Djembé est un nom masculin singulier. Donc, on va utiliser l'article défini le. Les enfants joueront de la sitar. Alors, ici, le nom est au pluriel. Donc, on va utiliser l'article défini les. Choral chante bien. Choral est un nom féminin singulier, donc on va utiliser l'article défini LA. Ami de ma sœur a un accordéon. Ici, le nom commence par une voyelle, donc on va utiliser L'. Guitare est cassée. Guitare est un nom féminin singulier, donc on va utiliser l'article défini LA. Selena écrit note de la chanson dans son cahier. Note est un nom pluriel. Alors, on va utiliser l'article défini LES. Alors, comme homework, vous allez faire exercice 3 à la page 45. Prends banjo, flûte, castagnette, guitare et cymbale. Mets instrument dans boîte, dit organisateur à Sanjeev. Alors, ici aussi, il faut compléter par le, la, LES ou L'. Allons maintenant faire exercice 4 à la page 45. Alors ici, il faut cocher les bonnes casiers. Ok?
pour situer le temps auquel le fait se déroule. Alors, on a trois casiers, passé, présent, futur. Vous avez des phrases. Ici, il faut voir à quel temps que les verbes sont conjugués. Ensuite, vous allez cocher la bonne casier. Par exemple, si pour le premier, il joue de la guitare tous les jours. Ici, le verbe c'est joue. Joue est conjugué au présent. Donc, vous allez cocher le casier du présent. C'est bon? Alors, il joue de la guitare tous les jours. Nous irons au concert dimanche prochain. Ce matin, j'ai dansé le sega. Nous avons mangé de la salade hier. Je suis à l'école. L'année prochaine, vous serez en cinquième. Alors, rappel. Le passé. Le passé parle d'une action qui est déjà terminée. Le présent, l'action qui se déroule au moment où l'on parle. Le futur. On utilise le futur pour parler d'une action qui aura lieu plus tard. Alors, le passé, ce qui est déjà terminé. Le présent, l'action qui se déroule au moment où l'on parle. Et le futur, une action qui va être faite plus tard. C'est bon? Vous allez maintenant faire page 45, exercice 4. Ok? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. La première phrase. Il joue de la guitare tous les jours. Le verbe est conjugué au présent. Donc, on va cocher le casier du présent. Nous irons au concert dimanche prochain. Le verbe ici, c'est iront. Iront est conjugué au futur. Donc, on va cocher la case du futur. Ce matin, j'ai dansé le sega. Le verbe est conjugué au passé composé, donc on va cocher la case du passé. Nous avons mangé de la salade hier. Hier, c'est le passé. Le verbe ici, c'est avons mangé. Avons mangé est conjugué au passé composé, donc on va cocher la case du passé. Je suis à l'école. Ici, le verbe est conjugué au présent. Donc, on va cocher la case du présent. L'année prochaine, vous serez en cinquième. Alors, le verbe ici est conjugué au futur. Donc, on va cocher la case du futur. Alors, comme homework, vous allez faire exercice 5 à la page 45. J'écris une phrase pour chaque temps dans l'espace de vie. Alors, il faut écrire une phrase au passé composé, une phrase au présent et une phrase au futur.
Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Science now. So today, for science, we will still continue with the topic of materials, but today, we are going to work on some exercises, some revision exercises, okay? Now, let us start by doing exercise 4 on page 40. Match each object to its corresponding material. Now, here, you need to match the objects with the right material, okay? Donc ici, il faut dire avec quel matériau on construit des objets, ces objets-là. Ok? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Windowpane is made with glass. Book is made with paper. An eraser is made with rubber. And dustbin is made with plastic. Good. Now, let us do exercise 5 on page 40. Take a suitable material to make a car tire. Alors, take one reason why the material you chose is also used to make boots. Donc ici, il faut dire quel matériau on utilise pour faire les roues des voitures. Et aussi, pourquoi ce matériau qu'on a choisi est aussi utilisé pour fabriquer des bottes. Alors, vous allez copier les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire des questions, ok? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, take a suitable material to make a car tire. Rubber is a suitable material to make a car tire. Now, take one reason why the material you choose is also used to make boots. Because it is impermeable. Rubber does not allow water to pass through it. So it is impermeable, which is why we use them to make boots. Alors ici, vous allez faire exercice 6 à la page 40. Observe the pair of spectacles. Ce sont des lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous voyez qu'on a des flèches dans sur plusieurs parties de cet objet. Alors ici il faut dire quel matériau on a utilisé pour fabriquer porte A, porte B et porte C. Ensuite, which part is made of a transparent material? Explain why. Quelle partie est fabriquée à partir d'un matériau qui est transparent et pourquoi?
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Part A is made of glass. Part B is made of metal. And part C is made of plastic. Now, which part is made of a transparent material? Explain why. Part A is made of a transparent material. Alors, pourquoi? In order to allow us to see through it. La partie A est fabriquée avec un matériau transparent pour nous permettre de voir à travers. Now, observe the picture. Can you tell me what is the boy wearing? The boy is wearing a raincoat. So you will do exercise 7 on page 41. What is the child wearing? Of what material is it made? State one property of this material that makes it suitable for its use. Alors ici, il faut dire le garçon porte quoi? De quel matériau est-ce que c'est fait? Et ensuite, il faut dire une propriété de cet matériau qui le rend idéal pour cet objet. Allons faire cet exercice ensemble. Now, what is the child wearing? The child is wearing a raincoat, un imperméable, comme le nom nous le dit, imperméable. Alors, of what material is it made? It is made of plastic. Alors, pourquoi? State one property of this material that makes it suitable for its use. Pourquoi on utilise le plastique? Pour fabriquer un imperméable, parce que le plastique est un matériau imperméable. Plastic is an impermeable material. Ça veut dire que le plastique ne permet pas l'eau de passer à travers. C'est pour cela qu'on utilise un imperméable pour nous protéger, pour garder nos vêtements secs. Quand il y a la pluie, n'est-ce pas? Alors, comme homework, you will do page 41, exercise 8. Answer the questions below. Can we use wood to make a window pane? Explain why. Alors, ici, il faut dire si on peut utiliser le bois pour fabriquer une fenêtre et pourquoi. Why is plastic used to make a water bottle? Il faut dire pourquoi on utilise le plastique pour fabriquer une bouteille d'eau. What will happen if water is placed in a paper bag? Explain your answer. Alors, ici, il faut dire qu'est-ce qui va arriver si on met de l'eau dans un sac en papier. Alors, c'est tout pour la science aujourd'hui. Je vais vous recommander d'aller reviser tout ce qu'on a fait aujourd'hui et même dans les semaines précédentes, et aussi de faire tous vos devoirs. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Passez une très bonne journée.